J'ai eu l'honneur donc d'écrire cette pièce et aujourd'hui la satisfaction pour moi était totale de voir donc cette pièce être jouée à ce grand événement qui est le Salon du Livre International du Livre d'Abidjan. Un grand honneur parce que c'est l'ambassade des États-Unis qui nous a fait donc l'honneur de présenter la pièce donc, à l'occasion de ce grand événement. I'm freezing. Hey, I think I'm going to die. No contribution to the movies. My poor English cannot help me to have a good job. I cannot ask directions. They say, use Google Maps. I cannot go to the market. They say, Amazon. I cannot write a letter. They say, me. I cannot eat my food. They say, I'm burger or hot dog. Oh, God. I miss home. Je suis Madame Tran Nathalie Kofi. Je suis alumni IVLP 2012. C'est un très beau spectacle. C'est la deuxième fois que je viens de cette pièce de théâtre. Et le thème, il est d'actualité. Ils sont doués d'une expérience vraiment qu'on ne peut pas comprendre, mais ça se trouve dans l'âme et dans l'esprit parce qu'ils jouent avec le cœur. Et tu sens que c'est vraiment une histoire qu'ils veulent conter aux gens et conscientiser vraiment la jeunesse à aller de l'avant et à prendre ce mal-là, qui est le mal de l'immigration. Je pense que les acteurs ont su s'approprier le thème du théâtre. Bien que ce ne soit pas leur langue maternelle, l'anglais a été un canal pour véhiculer un message. Je leur tire mon chapeau. Je pense qu'ils sont encadrés, ils sont vraiment encadrés et à suivre. J'ai du talent, je me dis un merci et encourager le metteur en scène. C'est une histoire simple, simple mais pleine d'émotions. Thank you so much for being here. And I hope you appreciate the play, the performance, right? Thank you so much.